Yo tout le monde, encore ce problème de luminosité, et vous savez que bah, quand j'ai ce problème de luminosité et ce cadre, et ben on fait une. C'est pas un truc établi, hein. Mais on fait une live reaction du chapitre 283 de Nanatsu no Taizai. Donc on commence avec Meliodas et Ban dans le purgatoire, en train de se voler, quoi. Et Wild. J'adore ces cases où tu comprends rien ce qui se passe. Ben non, voilà, c'est ça, tu comprends rien ce qui se passe. Luminodas le tac, là, c'est... Tu comprends rien ce qui se passe, c'est normal. Ben, eux, ils comprennent rien, nous, on doit rien comprendre. Ils sont en train de voler dans tous les sens. À combien de défaites on est? Ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté de compter les chiffres. Grosso modo, sur 6083 combats, on en a perdu 6083. Ils sont là depuis combien de temps? 60 années se sont écoulées depuis notre premier affrontement avec le roi démon, et pourtant on n'a pas été capable de l'approcher, ne serait-ce qu'un peu. Bon, même si ça fait 60 ans, ça fait qu'une heure dans le monde réel. Pas vrai? Alors te bille pas. Une heure, 60 ans. Et en 60 ans, vous avez fait 6093 combats? Vous battez toutes les 5 minutes ou quoi? Peut-être que je ne devrais pas retourner dans le monde réel. Qu'est-ce que vous racontez après tout ce temps? Ça ne vous ressemble pas du tout, Meliodas-sama. Je suis résolu à ne pas baisser les bras tant que je n'aurai pas trop... Pardon, je sais, à chaque fois que je suis sur... Voilà. Ne vous trompez pas, bien sûr que je veux vous y retourner. Que je veux vous voir y retourner. Mais moi, c'est une autre chose. Notre histoire. Elisabeth a été frappée par une malédiction, la condamnant à mourir inévitablement devant mes yeux. C'est pourquoi je pense qu'elle se portera mieux sans moi. Non, elle doit mourir dans 3 jours. Et si elle... Bon, le truc de devant tes yeux, certes. Ah oui. Elle doit mourir dans les yeux, devant les yeux, devant les bras de Meliodas, mais 3 jours après avoir découvert... Enfin, avoir recouvert la mémoire. Mais du coup, si Meliodas, il est loin. Là, le Meliodas qui pète un câble, il est dans le monde réel. Donc, il est avec Zeldoris. Là, il y a ce Meliodas-là. Dire quel est le vrai, devant quel Meliodas va mourir. Et si elle peut atteindre ni l'un ni l'autre, est-ce que ben ça augmente le jour, le délai? Ou elle meurt comme ça 3 jours, bim. Je sais pas. La malédiction de la princesse a déjà été activée. Et d'abord, tu crois vraiment que notre petite princesse accepterait ça? Si tu commences à reculer, c'est cuit. On va se barrer d'ici et on sauvera les femmes qu'on aime, quoi qu'il arrive. Oh oui, c'est beau l'amour. Captain, tu vas délivrer la princesse de sa malédiction. Et je vais ramener Elaine à la... C'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait à moitié, quoi. Faisons simple. Il n'y a rien de simple là-dedans, c'est pour ça que je dis ça. Mais tu as peut-être raison. Car en ce moment, tous les nanas au Taizai risquent leur vie en se battant pour Elisabeth et pour moi. Oui, non, pas tous. Je me fatigue de m'occuper de vous. Vous devriez déjà avoir votre compte. T'as 2 immortels et un cochon. Un cochon. Le gros glaive. Attaque. Peu importe le nombre de fois où tu tentes de voler mon pouvoir... Tu finis toujours par me donner le tien à la place. J'ai oublié, c'était quoi le nom du pouvoir? C'est suprématie, mais son pouvoir, c'est quoi? Il inverse les effets de ce qu'on lui fait. Parce que là, Ban, il tente de lui voler son pouvoir, mais il lui donne le sien, en fait. C'est ça, ça inverse les effets de la magie. Peu importe le nombre de fois où tu essayes de m'encorner, tu restes incapable d'entailler ne serait-ce qu'un bout de ma peau. Explosion dans ta gueule, bang bang bang. Un event counter, t'as pris qu'une explosion. Ouais, en même temps, c'est pas l'explosion de Joel Clodo, c'est une l'explosion de donc event counter, d'accord. Il en va dans sa poire, mais il se prend une grosse patate. Abandonne. Ta technique n'est qu'une imitation que tu as apprise avec Chandler. Sans ton pouvoir magique original, tu ne peux m'affronter.
Mais cela serait dans tous les cas impossible car tu as peur. Qu'est-il arrivé au roi démon? Il est déjà à Perpète. Enfin, pour être plus précis, c'est nous qui avons été envoyés valser. Ouais, il s'est blessé. Quoi, ça va sur rien. Ils aillent en tant que protégeant, pas vrai? Je devrais peut-être voir ce que ça donne. J'y crois pas, mais Lucien brille. Ban, c'est toi qui en fais ça, au sérieux? Au cours des 60 dernières années, chaque fois que j'essayais de voler sa force ou son endurance, c'était la mienne qui se faisait absorber à la place. Alors ça, mon corps a commencé à apprendre la sensation de l'énergie qui se fait absorber. Ou plutôt de donner de l'énergie. Donc j'ai pensé essayer pouvoir... Essayer quoi? Rien compris. Avec ce pouvoir, je pourrais... Mais ce qui est le plus terrifiant, c'est son pouvoir, le souverain. Comment est-ce que c'est censé le toucher avec la moindre attaque? J'ai pas compris. Essayez quoi, Ban? Au cours des 60 dernières années, chaque fois que j'essayais de voler sa force ou son endurance, c'était la mienne qui se faisait absorber à la place. Grâce à ça, mon corps a commencé à apprendre la sensation de l'énergie qui se fait absorber, ou plutôt de donner de l'énergie. Donc j'ai pensé essayer pour voir. Essayez quoi? Est-ce que ça vous va, Ban? Bien sûr, je suis immortel avec ce pouvoir. Je pourrais... Tu pourrais quoi? Essayez quoi? C'est quoi le rapport avec le fait que t'aies soigné les blessures du cochon? Soit c'est moi qui suis débile. Soit, ben... Il fait exprès de laisser un petit mystère dans les paroles. D'ailleurs, Capitaine, est-ce que le roi démon voulait dire quand il a dit ça? Qu'est-ce que... Tant que tu n'auras pas ton pouvoir d'origine, tu ne seras pas capable de l'affronter. D'après mes souvenirs, t'as dit que t'avais appris la technique du full counter avec le vieux avec le vieux démon barbu. Est-ce que ça voudrait dire que ton pouvoir d'origine était quelque chose d'encore différent? Qui sait, je n'ai pas la moindre idée de ce que... Je sais pas dire. Qui sait, je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu es en train de parler. Ah, c'est comme ça. Dans tous les cas, on ne trouvera pas un plan pour s'occuper de ce souverain. Je ne pourrai pas revoir Mild. Il y en a plein de vous qui a une idée. Mais ma saisie n'est même pas capable de l'affaiblir. Et au lieu de ça, ça le renforce. Ouais, en fait, ça fait 60 ans que tu le renforces, le mec. Ça fait 60 ans que tu essayes de battre le gars, mais ça fait 60 ans que tu le renforces, trop du cul. Et le full counter peut envoyer n'importe quelle attaque magique, mais il finit toujours par se faire absorber. Ouais, Radio Normal ne marche comme lui. C'est presque comme s'il contrôlait la logique elle-même. Et vous deux, je crois que j'ai une idée. Ban, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux faire un check? Give me five. J'en ai marre de vous, je n'arrive pas... J'en ai marre de vous, je n'arrive même plus à souffler. Non, tu as fait tout ce chemin d'ici pour me donner ta force encore une fois. J'aimerais bien aimer que le roi des démons, il reconnaisse tes... J'aime bien quand les ennemis, ils appellent... les gars, enfin les gentils, par leur prénom. Genre Pika, quand il gueule... Ronoasara! C'est-à-dire, il sait qui c'est, il reconnaît, mais j'ai rien envie de dire. Ou même Mio, quand il dit Ronoasara. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse... Donc, tu as fait tout ce chemin juste pour me donner ta force encore une fois? Ban? Là, j'aurais demandé sec. Eh ben, si tu veux la voler, autant commencer direct par ça. Hein? Il a fait plier genoux au roi des vents. Ban, qu'est-ce que t'as fait? Il est épuisé par contre. Il lui a tout donné? Roi démon, le véritable nom de ta capacité, le souverain? Meliodas et ses frères ont-ils une mère? Non, non, non. C'est des Namek. Question de merde. Roi démon. Par contre, qui? La vraie question, c'est quelle femme, même démon, accepterait de coucher avec lui? Roi démon. Le véritable nom de ton incroyable capacité, le souverain, est inversion. Toute attaque ou affaiblissement qui te cible est changée en soin ou en renforcement. Beau travail, beau travail. En effet, peut-être que là, vous serez capable de briser momentanément cet ennui. Le vrai combat commence maintenant, t'as pas besoin de me le dire. Non, je vais continuer. Voilà.
J'ai rien compris. Allez. Alors, un autre à dire. Jana.